cette deuxième table ronde. Nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Rey, mathématicien et philosophe, Paul Jorion, anthropologue et économiste, spécialiste des systèmes intelligents, et Antoinette Courroie, juriste et philosophe également. Et je vous passe le message de Jean-Max Moyer qui devait participer également à cette table ronde sur une question stratégique qui est malheureusement tout le midi avec une grippe assez sévère et donc il est pris de l'excuser. Donc on va être que quatre cette fois-ci. Alors, donc cette table ronde est organisée de manière un petit peu différente que par rapport à la précédente. Donc ce que je vous propose de faire, c'est, je vais faire une extrêmement rapide en 3 minutes, pour gagner un peu de temps. Et ensuite, on va fonctionner avec 2 tours de questions. Je vais expliquer la raison de ce double questionnement tout à l'heure. Voilà, avec des réponses relativement courtes, 5-10 minutes, pour laisser un petit peu de place ensuite pour la discussion. Donc, les questions qui vont nous guider là, pour cette table ronde, et le premier tour de questions-réponses va porter sur ce sujet-là. On va un petit peu repartir de ce qui a été dit déjà dans la table ronde précédente, à partir de ce constat du changement de paradigme auquel, changement épistémologique auquel on assiste aujourd'hui, que l'on a pu désigner, pour aller extrêmement vite, comme la fin du régime de causalité et le passage au régime de corrélation. Et donc, là, il s'agirait de s'interroger avec nos participants sur la manière, finalement, dont le monde est construit, dont le monde nous est donné, avec cette attention que vous reprenez chacun à votre manière, sur laquelle je pense que vous êtes tous à laquelle vous êtes tous très attentifs, c'est cette différence entre le donné et le construit, ou le réel et le construit, le réel et le modèle, etc., etc. Et donc, cette question de l'épistémé, fondamentalement, alors la table ronde s'intitule donner, j'ai oublié, et pouvoir, en tout cas, donner, savoir et pouvoir. Voilà. Et évidemment, cette question de pouvoir, même s'il ne sera pas abordé frontalement, en tout cas, la question du politique, j'espère, va émerger à la fin, parce que, évidemment, la question du choix de l'épistémé est déjà une décision politique, fondamentalement, dans le sens de parce qu'en fonction de l'épistémé qui est à l'œuvre dans l'analyse des données, des décisions politiques différentes peuvent prendre place, si ce n'est l'inverse, quand je pense qu'il y a des exemples où le choix de l'épistémé dans le traitement de données est déjà une décision politique préalable. Donc, constat critique sur les modalités de donation du monde, c'est ça tour de questions. Et ensuite, dans un deuxième temps, l'idée, c'était de ne pas en rester là, malgré tout, de ne pas rester sur ce constat sur lequel je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord, chacun à sa manière, une fois de plus, mais de s'acheminer sur une question plus politique, justement, ceci implique de se saisir des questions, effectivement, comment le monde est donné aujourd'hui, quel est le rôle de données dans cette donation du monde, et comment se saisir de la donnée ou des données, comment les rendre opérationnelles sans céder sur l'exigence de la pensée. Et à l'horizon, la question qui se pose est la suivante, je pense, et je pense aussi que c'est une deuxième question qui peut trouver écho de manière spécifique dans vos travaux à tous les trois. C'est quelles sont les modalités de la juste mesure aujourd'hui, alors que la juste mesure qui est une modalité de décision, disons, alors que la décision est promise aujourd'hui à une autonomisation croissante, si ce n'est extensive. Donc, quelles modalités de la juste mesure sont possibles aujourd'hui encore à élaborer? Et donc, même si je ne vous poserai pas la question frontalement de cette manière-là, j'espère que c'est cette question qui guidera un petit peu notre échange aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec dans l'ordre, en m'adressant à Olivier Rey, vous évoquez dans votre travail cette idée que, ou ce fait historique, que les approches statistiques, on fait souvent greffe à la statistique, comment dire, de faire partie des sciences dures et de niveler un petit peu le social. Vous faites ce constat en disant que les approches statistiques ont d'abord été employées au sein des sciences sociales, fondamentalement, et justement parce que la société a été comprise à un moment donné de l'histoire comme une somme d'individus.
et que c'est sur le fond de cette individuation croissante qu'on a pu effectivement employer la statistique pour la gestion de la population, pour compter, gérer, etc., les individus. C'est seulement après, avec Maxwell, que la statistique a été exportée dans le domaine des sciences dites dures vers la physique. Et à ce titre, selon vous, me semble-t-il, l'évolution des formes de sociabilité est un préalable, en quelque sorte, à toute mobilisation des nouveaux outils scientifiques. Il me semble cependant aujourd'hui qu'on n'est plus dans la quantification statistique, qu'on n'est plus dans la statistique mathématique stricto sensu non plus, on est dans une certaine performativité des modèles non causaux, des approches par renforcement, etc. Alors, comment vous voyez aujourd'hui cette relation entre les formes de sociabilité et les nouveaux outils d'appréhension du réel, de modélisation du réel, voire d'absence de modèle, quelque chose qui nous dit-on à l'œuvre dans les big data, justement. Est-ce qu'on est finalement dans le même type de préséance des formes de sociabilité sur les outils employés au 19e? Merci. Merci de me donner la parole. Je pense qu'il y a une forme de dialectique, d'aller-retour permanent entre des formes de sociabilité et un certain état de l'avancée scientifique. Alors, pour ce qui concerne la statistique, comme vous l'avez rappelé, il est historiquement avéré que la statistique a commencé dans le domaine des affaires humaines. Aujourd'hui, que la statistique est devenue une branche à part entière des mathématiques, qu'il y a une branche énorme de la physique qui se nomme physique statistique, que la statistique est vraiment devenue un style de pensée scientifique à part entière, on peut tout à fait avoir l'impression que l'emploi de la statistique dans le domaine des affaires humaines est une annexion par la pensée scientifique, justement, du domaine des affaires humaines. Historiquement, ce n'est absolument pas comme ça que ça s'est passé. La statistique a commencé à l'intérieur du domaine humain, et ça n'est que relativement tardivement que, donnant des résultats assez spectaculaires dans le domaine humain, qu'un certain nombre de scientifiques se sont dit que ce qui marchait lorsque on avait sous la main quelques milliers, dizaines de milliers ou quelques millions d'individus devait a fortiori se montrer extrêmement efficace lorsqu'on avait affaire, comme ça a été le cas au 19e siècle en théorie cinétique des gaz, à 10 puissance 23 particules, donc ça fait 10 000 milliards de particules identiques. Donc évidemment, là, on a vraiment une population sur laquelle la statistique peut vraiment bien s'appliquer. Mais cela étant, l'entrée de la statistique dans les sciences de la nature, ça a été une affaire compliquée parce que les physiciens n'étaient pas du tout prêts à admettre l'entrée des méthodes statistiques dans leur discipline parce que, à cause de cette origine humaine, trop humaine de la statistique, il leur semblait que c'était aller contre la pureté de la science qu'ils recherchaient. Il a fallu toute l'autorité, comme vous l'avez rappelé, du grand Maxwell, le plus grand physicien du 19e siècle, pour faire admettre à ses collègues que la statistique pouvait être une méthode tout à fait à prendre en considération en physique. Puis le deuxième domaine où la statistique est entrée dans les sciences de la nature, c'est l'étude de l'hérédité dans le sillage de la théorie darwinienne. Le neveu de Darwin, Galton, s'est interrogé sur les questions d'hérédité et évidemment pour essayer de quantifier dans quelle mesure les caractères des parents passaient aux enfants, parce que constatation que tout le monde peut faire, c'est que les enfants ressemblent à leurs parents, mais sont en même temps différents de leurs parents. Donc, dans quelle mesure ils leur ressemblent, dans quelle mesure ils en diffèrent, eh bien, comment essayer d'appréhender cela quantitativement? On ne peut le faire autrement que par de la statistique. Et c'est à ce moment-là que, dans la dernière décennie du 19e siècle, une véritable statistique mathématique a décollé, avec en particulier Carl Pearson, une grande figure, grand mathématicien qui a véritablement élaboré les premières méthodes mathématiques intéressantes pour traiter les données statistiques.
Mais en fait, cette statistique, elle avait explosé bien avant, enfin en tout cas dans la première moitié du 19e siècle. C'est vraiment le moment où la statistique se répand à travers toute l'Europe, et à l'époque, il s'agissait vraiment de gestion des populations. Et à quoi ça correspond? Ça correspond à ce que Ferdinand Tönnies a appelé dans son grand livre « Gemeinschaft und Gesellschaft », « Communauté et société », au passage de la vie communautaire à la vie sociale. Alors je suis obligé d'aller extrêmement rapidement là-dessus pour ne pas parler trop longtemps, mais disons que dans la vie communautaire, les individus existent certes, mais en tant que membres de la communauté, c'est-à-dire qu'on existe en tant que je, mais seulement parce qu'on est membre d'un nous. En fait, le je est le singulier de nous, alors que dans la vie sociale, il y a une inversion qui se produit, c'est-à-dire que dans la vie sociale, on imagine que l'individu est premier et que la société n'est rien d'autre que le rassemblement des individus, et à ce moment-là, le nous devient le pluriel de je. Et là, on voit autant la statistique est tout à fait inadaptée pour appréhender des réalités communautaires, puisque la statistique, elle doit compter des événements individuels. Et donc, quand elle rencontre une communauté, si vous voulez, elle devrait désintégrer la communauté pour atteindre les réalités individuelles. En revanche, une fois que les communautés ont été désintégrées et que les individus ont été libérés, et que c'est ensuite le rassemblement des individus qui va créer la société, la statistique, elle devient un outil par excellence pour appréhender les réalités sociales. Alors évidemment, ça va être un grand débat au XIXe siècle, pour savoir si la nouvelle sociologie doit, quel usage elle doit faire ou ne pas faire de la statistique. Auguste Comte, qui est le fondateur, on pourrait dire, de la sociologie, au moins du terme, était tout à fait farouchement opposé à l'usage de la statistique en sciences sociales. Mais enfin, il n'empêche que la statistique a été un instrument essentiel pour appréhender ce nouvel objet qui a émergé au XIXe siècle, qui étaient les grandes sociétés d'individus. Alors quand je parlais d'une dialectique entre un état des réalités sociales et d'un autre côté les outils scientifiques, on voit que la statistique n'a pu se développer que corrélativement à une certaine évolution des rapports que les êtres humains entretiennent entre eux. Mais il est évident qu'ensuite, dans un second temps, la généralisation des méthodes statistiques va rétroagir sur les êtres humains et sur leur mode de sociabilité. Et en particulier, si vous voulez, quand on fait juste de la statistique démographique, eh bien, on compte les êtres un à un. Mais ensuite, quand on cherche à appréhender d'autres réalités sociales, on va s'intéresser uniquement chez les individus à certaines de leurs caractéristiques. Et donc la statistique, la généralisation de la statistique va avoir tendance à fragmenter les êtres humains en différents caractères selon les différentes statistiques qu'on établit. Et donc dans un second temps, la statistique était un produit de l'individualisme, si on peut dire, mais dans un deuxième temps, la statistique, quand elle va se généraliser, va avoir tendance à dissoudre l'individualisme et à être le producteur d'un processus de individualisation, c'est-à-dire de fragment. Normalement, individu, c'est ce qui ne se divise pas, mais en réalité, la statistique va être un grand instrument de division de l'individu, puisqu'on va l'appréhender selon une série de différents caractères. Et il me semble qu'aujourd'hui, je termine avec cela, c'est notre entrée dans l'ère des données massives, et si vous voulez, quelque chose qui est maintenant un retour de la société vers ces outils qui servent à l'appréhender, dans la mesure, à partir du moment où l'individu a été divisé justement par ces approches statistiques, finalement l'individu n'existe plus vraiment, ça n'est plus qu'une lui-même une somme de caractéristiques. Et alors à ce moment-là, quand on n'a plus affaire qu'à des caractéristiques éparses, eh bien chacune de ces caractéristiques va être l'objet de collecte de données. Et en fait, ces données massives sont aussi corrélées avec le fait que non seulement évidemment le nombre des individus sur Terre a explosé au 19e et 20e siècle, mais qu'il y a une bien plus grande explosion aussi du fait que ces individus, ils sont bien plus que des milliards, puisque chacun d'entre eux est fragmenté en une multitude de caractéristiques, et il me semble que on ne peut pas véritablement
voulait appréhender le règne des données massives sans le corréler à cet état dans lequel nous sommes, qui est que la, finalement les véritables membres de la société aujourd'hui ne sont plus les individus, mais des entités multipliables, pourrait-on dire, à l'infini. On pourrait d'ailleurs ensuite faire le lien avec tout l'imaginaire transhumaniste de l'augmentation, puisque l'augmentation, ça vient du fait que l'individu étant divisé en une multitude de fonctions, eh bien chacune de ces fonctions est susceptible d'être augmentée pour elle-même. Et autant augmenter un individu en tant que tel n'a pas grand sens, autant augmenter des fonctions, évidemment, est quelque chose, on pourrait dire, une idée presque naturelle. Voilà. Alors, merci. Statistique vient de Stadt en allemand, c'est ça ? Alors, le mot statistique tel qu'il est utilisé aujourd'hui, ça vient de l'allemand. Statistique avec un K à la fin. Ça a été un mot qui avait commencé à apparaître à la fin du XVIIe siècle en Allemagne. Et c'était dans un cadre universitaire. Et c'était finalement pour désigner une science de l'État. Quelque science qui visait à renseigner les princes et les gouvernants sur l'état des territoires et des populations qu'ils avaient pour mission d'administrer. Et ça vient, mais cela dit, ça vient donc de l'allemand, mais l'allemand lui-même vient du latin status, qui veut dire état. Et on peut le comprendre état dans deux sens du terme, si vous voulez, état au sens politique du terme, mais aussi état. Quand on parle d'un état des lieux, par exemple, eh bien, c'est quand on fait un inventaire de ce qu'il y a dans un appartement, dans un lieu quelconque. Et donc, en fait, on pourrait dire que la statistique, au départ, ça a été, si vous voulez, quelque chose qui visait à faire un état de l'état. D'accord. À l'instant donné. Merci, merci Olivier. Alors, la seconde question s'adresse à Augerion. Par votre travail, vous insistez sur le caractère construit historiquement et culturellement de la manière dont le monde vous est donné. Alors, culturellement d'abord parce que vous insistez sur les différences entre les cultures, entre la culture occidentale et chinoise en particulier, mais pas que, évidemment. Et vous inscrivez cette différence dans les manières de construire la réalité scientifique, dans des références plus larges de culture et de la langue en particulier. Et ces manières aussi sont circonscrites, construites historiquement, bien sûr, car vous montrez comment les notions de vérité et de réalité ont été inventées, respectivement en Grèce et en Europe du XVIe siècle. Et vous insistez aussi sur le rôle, partant de ce constat, de la mathématisation dans la perte de distance, justement, dans la perte de cette compréhension de distance entre le réel et le construit, entre les données et le construit. Vous l'attribuez en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie au rôle des modèles mathématiques. Mais dans ce processus de mathématisation, la question que je voulais vous poser, c'est quel est le rôle, dans ce processus de mathématisation, quel est le rôle de la quantification en tant que telle ? Parce qu'effectivement, c'est deux choses qui ne sont pas forcément la même chose, qui sont distinctes, même si l'une nous suppose l'autre éventuellement. Donc quel est le rôle de cette quantification qui est tributaire, évidemment, de cette supposition de réalité objective, mais qui ne s'est révélée pas forcément ? Et partant, quelles sont les influences qu'on commence à percevoir aujourd'hui, quelles sont les ruptures et les continuités qui sont induites par les modes plus récents, effectivement, de quantification, que sont les big data. Oui, merci. Une petite remarque, effectivement, sur le rôle de l'anthropologue, dans la mesure où il est différent de celui des autres. Un anthropologue a affaire, par tradition, avec des sociétés qu'on considère comme moins complexes que les nôtres, et où, en particulier, où il est difficile de distinguer des institutions particulières comme l'économie ou la religion. Dans ces petites sociétés, qui sont aussi petites démographiquement, d'habitude, il y a la société fonctionne avec des choses dont on n'a pas la possibilité de les autonomiser, comme par exemple la science économique a voulu faire autonomiser un objet qui serait l'objet économique.
C'est cela qui fait, par exemple, que l'anthropologie économique produit des résultats tout à fait étonnants pour les économistes, et en particulier remet dans un contexte beaucoup plus général, politique, social, etc., l'effet d'économie. Et permet, à l'occasion, récemment, avec d'autres domaines comme la psychologie ou la physique, de corriger un certain nombre d'erreurs qui se sont accumulées à l'intérieur de la science économique, parce que, comme tout savoir en silo, le savoir devient incestueux, et on ne résout plus les problèmes. Quand un domaine, c'est d'ailleurs assez général, quand on voit maintenant qu'un domaine, une discipline ne considère qu'un problème est insoluble, en général c'est parce que ce domaine n'est plus qualifié à résoudre le problème en question, que ce serait d'autres qui devraient le trouver en brisant, je dirais, de manière pluridisciplinaire, peut-être, ou bien simplement que la solution se trouve ailleurs. Comme par exemple la structure des marchés, ce ne sont pas les économistes qui nous disent comment ça marche maintenant, ce sont les physiciens avec des métaphores, comme les mouvements telluriques, comme les mouvements sismiques, etc., qui permettent de comprendre comment un marché se structure. La quantité en tant que telle, l'animal humain la domine jusqu'à un certain nombre, tout à fait spontanément, de la même manière que certains animaux savent dominer la quantité jusqu'à un certain nombre. Les corbeaux savent distinguer le 2 du 3, d'autres animaux aussi. Donc le quantifiable au niveau élémentaire, justement des digits, voilà, au niveau des doigts. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, est-ce que digital ou numérique est le terme le plus approprié? À mon sens, le terme numérique est une erreur, c'est un terme qui n'est pas adapté. On ne parle pas du numérique, on parle du digital proprement parlé. Le mot anglais digit voulant dire, ne veut pas dire nombre, il veut dire chiffre, tout simplement. C'est de 0, 0 à 9. Et là, de 0 à 9, on voit que les animaux savent maîtriser ça, et de même les enfants très spontanément savent distinguer trois objets de 4 sans être passé par l'école, et ainsi de suite. Les mathématiques, ça c'est autre chose, ça c'est une construction effectivement, c'est une construction historique. Il est intéressant, par exemple, de voir comment les mathématiques se sont constituées dans des continents, dans des cultures qui n'avaient pas beaucoup de communication entre elles, de comparer, par exemple, la démonstration du théorème de Pythagore dans notre culture, dans les éléments d'Euclide, de la manière dont la Chine ancienne parle du théorème de Pythagore, mais dans une toute autre approche. Parce qu'il n'y a pas de démonstration en Chine. Il faut un syllogisme pour faire une démonstration. Nous faisons des démonstrations sur un mode syllogistique, c'est-à-dire où nous rassemblons trois éléments et nous éliminons un élément moyen pour faire se connecter deux éléments qui, eux, étaient déconnectés au départ. Le troisième terme était là pour relier les deux premiers. Il n'y a rien d'équivalent en Chine. Et c'est ça qui nous conduit tout de suite à cette question de corrélation ou de causalité, etc. Le retour de la corrélation, c'est, à mon sens, c'est la fécondation actuelle de notre culture par la culture extrêmement orientale, qui ne connaissait ni la causalité, ni l'inclusion même. Il n'y avait pas cette notion de, je dirais, que les mouches sont des insectes et que les insectes sont très différents des mammifères, et ainsi de suite. Vous vous souvenez de cet exemple de Borges, cité par Foucault, d'une fameuse classification chinoise qui classe les animaux en appartenant à l'empereur, extrêmement petit, qu'on peut dessiner avec un pinceau, etc. C'est une plaisanterie de notre part. C'est une plaisanterie qui montre que notre appréhension de la manière chinoise de voir les choses. C'est-à-dire qu'on va mettre les choses ensemble, et le principe sous-jacent, c'est Lévi-Boulle qui l'avait mis en évidence, c'est la réaction émotionnelle. On va mettre ensemble les choses qui provoquent en nous une réaction émotionnelle d'un type particulier. Et de la même manière, en Chine n'apparaît absolument pas une notion qui chez nous était fondamentale de réalité objective. Il y a le monde tel qu'il est. Nous parlons d'un réel que nous pouvons appréhender que de manière approximative, à partir de notre expérience à nous, être humain limité du donné qui est le monde sensible.
Et nous avons, dans notre culture, à partir de la philosophie grecque, nous avons ces distinctions entre le réel, que nous ne pouvons pas appréhender entièrement, et le donné dans lequel nous baignons, et Kant attirera l'attention sur le fait que nos instruments de capture du réel sont limités et que nous ne pouvons pas reconstruire la chose en soi. Mais nous avons historiquement créé un feuillet intermédiaire que nous avons appelé la réalité objective. C'est essentiellement Proclus, un néo-platonicien, qui crée cet objet, mais dans la tradition platonicienne, qui est elle-même reliée à la tradition pythagoricienne, qui est qu'il y a un rapport, entre les nombres et le monde tel qu'il est. Voilà. Alors la conception pythagoricienne, je dirais absolue, c'est le monde est constitué de nombres. Et quand nous avons appréhendé une description en termes de nombre du monde, nous savons que c'est vrai parce que c'est la manière dont le monde est constitué. Et il y a, en mathématiques en particulier, de grands platoniciens, par exemple Kurt Gödel, qui croit qu'il ne fait pas un processus d'invention quand il produit un théorème, c'est un processus de découverte. Il découvre le monde des nombres tel qu'il est. Et c'est ce qui lui permet de faire d'énormes raccourcis, qui fait que sa démonstration, dans sa fameuse démonstration de son deuxième théorème d'incomplétude de l'arithmétique, pour quelqu'un qui n'est pas mathématicien, qui est plutôt épistémologue, c'est un monstre fait de choses qu'il n'y a pas moyen de remettre ensemble. Aristote aurait eu une crise cardiaque en voyant cette démonstration-là, qui mélange absolument tout sur un plan épistémologique. Mais Gödel est convaincu qu'il décrit quelque chose, il décrit une réalité empirique. Et donc, nous sommes dans ce monde qui crée cette notion de réalité objective qu'on pourra décrire et qui a une relation tout à fait particulière avec la manière dont le monde est en soi. Il y a cette fameuse citation de Wigner, de cette extraordinaire coïncidence, de cette extraordinaire ressemblance entre le monde et les nombres qui en principe qui le constituent. Alors, j'ai une formation d'anthropologue, mais j'ai aussi la chance d'avoir été l'élève de Georges Théodule Guilbeault, un grand mathématicien français qui enseignait à l'école pratique des hautes études, auteur d'un livre qui s'appelle « Leçon d'à peu près », grand critique d'ailleurs de la démonstration par Gödel de son théorème, et qui considérait qu'il n'y a pas, contrairement à ce que dit Wigner, il n'y a pas de correspondance extraordinaire entre les mondes, le monde et les nombres. Les nombres, c'est, comme le voulait Aristote contre Platon, c'est une stylisation que nous introduisions pour décrire le monde. Guilbeault donnait un exemple qui était tout à fait amusant à mon sens. Il demande à un plombier quelle est la valeur de pi, du nombre pi. Quand vous manipulez des tuyaux, qu'est-ce que vous utilisez pour le chiffre pi? Et il répond 3,14,15 pour le zinc et 3,14,16 pour le cuivre. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme de la pratique s'est aperçu que les mathématiques, ça ne marche pas de la même manière selon la dilatation possible de métaux particuliers. Et les exemples que donne Guilbeault, c'est que quand nous essayons d'appliquer les nombres au monde, nous allons d'échec en échec en réalité. La première chose qu'on peut essayer de faire, c'est de comparer la diagonale d'un carré avec le côté. Est-ce qu'on peut trouver un nombre qui définit la diagonale par rapport au carré? Non, c'est impossible, c'est un irrationnel, c'est un nombre qu'on peut continuer à l'infini, c'est racine carrée de 2. Est-ce que ça va mieux avec le cercle? Ah ben non, parce que pi, c'est un nombre transcendant, irrationnel lui aussi, et là aussi, voilà, des décimales à l'infini. Faisons une étoile et regardons la longueur d'un côté par rapport à une diagonale, là aussi, et ainsi de suite, racine de 5, et ainsi de suite. Le monde, en fait, résiste énormément aux mathématiques, à la possibilité de mettre une grille de type mathématique sur lui. C'était le grand philosophe des sciences français, Émile Meyerson, qui disait « Qu'est-ce que nous faisons ?» Eh bien, quand nous butons contre une difficulté de cet ordre-là, nous l'appelons irrationnel, nous l'avons fait avec les nombres irrationnels, et nous passons outre en disant « Tiens, après tout, le problème a été résolu. » Le problème n'a pas été résolu du tout, mais nous mettons entre parenthèses la difficulté. Alors, pour terminer ça, qu'est-ce qu'a fait la pensée chinoise? Elle n'a jamais construit cette notion de réalité objective, elle est restée dans des relations qui ne sont pas antisymétriques comme l'inclusion, la causalité,
antisymétrique au sens si A est cause de B, B n'est pas cause de A. Si A est inclus dans B, si les mouches sont incluses dans les insectes ne sont pas inclus dans les mouches, etc. La pensée chinoise reste une pensée de ce que j'appelais la connexion simple. Le « et » et le « où », on rapproche deux choses. On rapproche deux choses. On dit, voilà, le rat des champs et l'alouette. On voit le rat des champs dans les mêmes champs où on voit l'alouette durant l'été. Et durant l'été, on ne le voit pas. Donc, il y a alternance entre le rat des champs et l'alouette. Et on met en rapport des choses dans des relations purement asymétriques, comme le pharaon et sa pyramide, le pharaon et des choses de cet ordre-là. Et là, on n'a pas de réalité objective. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut essayer de comprendre, quand on n'a pas de réalité objective? On prend des corrélations, on regarde des choses qui viennent ensemble. Et c'est ce qu'a fait la pensée chinoise. Donc dans ce retour, dans cette invasion, si on veut, à notre point de vue, massive de la corrélation, il y a deux choses. Il y a d'une part, il y a cette fécondation. Après tout, nous avons offert énormément de choses à la Chine, pas simplement le marxisme, l'éminisme, mais aussi la science moderne, avec sa causalité, avec ses inclusions, etc. Mais la Chine nous apporte aussi ce qui était sa richesse, qui a fait qu'elle a inventé le papier, qu'elle a inventé la poudre à canon, qu'elle a trouvé la boussole, et ainsi de suite, c'est-à-dire l'essai et erreur de manière absolument massive. Un très bel exemple d'un Chinois qui a gagné un concours, simplement, non pas en appliquant l'algorithme pour découvrir un patrimoine génétique d'une espèce végétale, mais simplement en coordonnant l'activité de 10 000 ordinateurs individuels pour résoudre le problème par la force brute, qui est la manière classique des Chinois de faire les choses. Je crois qu'il y a moyen maintenant... que cette fécondation soit réciproque. Il y a un autre élément, bien entendu, dans l'invasion de la corrélation, c'est la découverte des systèmes discrets, des systèmes dynamiques discrets qui provoquent du chaos dans certaines configurations et où seule la simulation peut nous apprendre quelque chose. Regardez ce qui se passe quand on crée des conditions expérimentales et on regarde ce qui se passe simplement parce qu'on n'a pas la possibilité en raison de l'effet particulier, non linéaire, le paradoxe du boulanger, etc., qui fait qu'il faut observer dans un certain nombre de cas ce qui se passe plutôt que par un raisonnement hypothétique ou déductif, trouver la réalité telle qu'elle est en elle-même. Merci. Vous avez une autre question qui est... partir sur un autre terrain, qui est le terrain plutôt effectivement du droit, mais avec toujours cette idée de garder cette question sur la distance, qui va se rejouer évidemment entre le donné et le construit, qui va se rejouer autrement. Alors, Antoine Trouva, vous incitez certains dans votre travail sur le rôle de la normativité, qu'on pourrait qualifier de transcendant, qui instaure cette distance justement entre entre ce qui est. Entre les faits et ce qui est construit juridiquement, pourrait-on dire, entre les faits bruts et ce qui est en effet, en particulier par la justice, c'est-à-dire le récit juridique, la fiction juridique, et dans cette distance, le rôle, pour ainsi dire, de la norme est tout à fait central pour vous, parce que c'est justement à condition d'avoir cette norme stable, alors dans quelle mesure c'est une autre question, mais une certaine stabilité de la norme qui ouvre justement l'espace de sa propre négociation. Et l'espace du débat, finalement, de la délibération collective que nous pouvons avoir à propos de la norme. Donc, paradoxalement, quelque part, vous soulignez ce fait qu'il faut avoir une norme dans une certaine mesure stabilisée pour pouvoir en débattre. Et que vous dites que, finalement, aujourd'hui, lorsque cette normativité est amenée à disparaître, y compris par l'analyse de type Big Data ou algorithmique, et bien justement, ça pose cette question de la normativité, de la sauvegarde de la normativité pour aller très vite. Alors, cependant, on peut aussi dire que cette normativité elle-même, elle a connu bien sûr des formes très différentes dans l'histoire de l'humanité. Bon, là, je prends un exemple un peu au hasard, parce que chez Foucault, par exemple, si on suit Foucault là-dessus, ça va être la fiction juridique, les modes de récit de soi, etc. Les deux aveux ne sont pas du tout les mêmes entre le criminel au XIXe siècle qu'on appréhende comme un monstrueux ou un anormal, justement,
mais par rapport à l'essor de la logique néolibérale dans laquelle c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas su adapter son comportement, qui n'a pas fait le bon choix, qui faut au contraire rééduquer, etc. Donc on a des, comme ça des grandes figures de normativité qui s'opposent aussi entre elles. Ce n'est pas une histoire monolithique, si j'ose dire. Et la question que j'avais posée, c'est effectivement comment s'articule cette historicité des formes de fiction juridique et justement, c'est l'avènement de nouvelles formes de traitement de données. Est-ce qu'il s'agit d'une continuité? Est-ce qu'il s'agit d'une rupture? Voilà, c'est autour de ces questions-là que je vous laisse le micro. D'accord. Merci infiniment pour ces questions qui sont d'une extrême complexité. Alors, je ne sais pas si je dois vraiment remercier ou si, au contraire, je dois me rebeller. Non, merci beaucoup. Vous mettez le doigt, effectivement, sur quelque chose qui, en tout cas, de mon point de vue de juriste, est absolument crucial. C'est la question, en fait, de savoir comment, alors que le droit est le résultat d'une très longue et lente sédimentation langagière dans une civilisation du signe et du texte, alors qu'on passe aujourd'hui dans un autre type de civilisation, on a l'impression d'être dans un autre type de civilisation, qui est plutôt une civilisation du signal numérique, signal quantifiable mais insignifiant, et une civilisation de l'algorithme. Alors qu'est-ce que ça a comme implication, ça, en termes de normativité, en termes de possibilité de discutabilité de la norme, etc. Vraiment, vous mettez le doigt sur ce qui, pour moi, est une question non résolue, mais une question qui insiste depuis des années, à travers les travaux que je fais avec des collègues à Bruxelles, à Namur, autour de la question de la gouvernementalité algorithmique, justement, hein, dans laquelle on essaye, enfin, moi, de mon côté, j'essaye en tout cas de contraster les formes de normativité ou de gouvernementalité anormative qui se mettent en place à la faveur des nouvelles pratiques statistiques rendues possibles par la disponibilité de données en quantité massive à propos des comportements des personnes, non pas des personnes, mais de leurs comportements. Donc, en quoi ça contraste ça avec, et qu'est-ce que ça peut dire, si vous voulez, en négatif, à propos du droit? À quoi tient-on dans le droit, dans la normativité juridique? À quoi doit-on tenir? Ou est-ce qu'on peut tout lâcher? Est-ce qu'on peut tout lâcher? Est-ce qu'on ne risque pas, si on lâche tout, au profit d'une optimisation algorithmique, une optimisation constante de la normativité par les algorithmes, est-ce qu'on ne risque pas d'abandonner la fonction anthropologique du droit? Donc ça, c'est vraiment une question assez massive. Alors, pour développer un tout petit peu, effectivement, à travers l'histoire, et c'est vrai que Foucault, dont je m'inspire en lui étant très infidèle en même temps, parce qu'étant juriste, je m'en sers allègrement sans beaucoup de scrupules, comme le font parfois les juristes, j'observe pas mal de Foucault, justement, pour situer, pour contraster ce qui nous arrive aujourd'hui avec les traitements de données relativement à des formes antérieures de gouvernementalité, hein, que ce soit la souveraineté, la discipline, la société de contrôle développée par Deleuze, etc. Et effectivement, les manières de produire de la norme, de produire de l'obéissance, de normaliser les conduites ont évolué. Alors, on n'est plus aujourd'hui face à l'imposition d'une conformité par rapport à des normes de comportement, à une normalité. On n'est plus aujourd'hui non plus tellement, hein, avec les gouvernementalités algorithmiques, bon, hein, dans des formes où on force l'obéissance à des normes juridiques, le permis ou l'interdit, par exemple, qui sont bien définies a priori. On n'est plus non plus, en fait, tout à fait dans des formes néolibérales de gouvernement qui consistaient, en fait, à récompenser la performance et à encourager la jouissance ou la consommation. Au regard d'objectifs chiffrés, le glissement que j'essaye d'observer, moi, c'est plutôt de nous rendre compte qu'à travers ce que j'ai appelé la gouvernementalité algorithmique, eh bien, il n'y a plus de normes, il n'y a même plus d'objectifs chiffrés a priori. Hein. La finalité, si vous voulez, des opérations gouvernementales, c'est un terme très vague, la finalité n'est plus définie même a priori. Hein. Et si vous voulez, ce sont les données aujourd'hui, les données qui constituent les nouvelles coordonnées de modélisation du social. Donc ce ne sont plus des normes antérieurement décidées, antérieurement convenues, ni les objectifs, fussent-ils chiffrés, définis a priori, sont vraiment les données. Et donc on a affaire à une sorte de modélisation immanente
au monde social numérisé, qui confirme et radicalise ce qu'Alain Supiot avait déjà décelé comme refus de toute hétéronomie, en fait. Donc on est dans une, dans, si vous voulez, dans l'utopie d'une société qui se gouvernerait elle-même, ou d'un réel qui se gouvernerait lui-même de façon absolument immanente. On avait déjà un petit peu ça avec la montée de la statistique, bien entendu, mais ici c'est véritablement une radicalisation dans la mesure où, précisément, si on compare ça aux pratiques statistiques traditionnelles, eh bien, on voit disparaître toute une série de choses. On voit disparaître la notion même de catégorie statistique, qui avait quand même une origine conventionnelle. On décidait finalement des catégories statistiques, et puis qui servait ensuite à gouverner, si vous voulez, le recueil des données, et à borner le recueil des données. Ici, non. Dans le contexte des big data, on recueille absolument tout. On ne fait pas de distinction, a priori, entre la notion de signal et la notion de bruit. Ce qui, soit dit en passant, était la distinction entre signaux et bruit est aussi une distinction qui peut être, dans certains contextes, éminemment politique. C'était Jacques Rancière qui évoquait ça. Il disait, par exemple, dans la Grèce ancienne, les bavardages des femmes, ça relevait plutôt du bruit, alors que les énonciations des notables, des hommes, donc, des hommes d'un certain statut social, relevaient du signal. Donc vous voyez, il y a aussi une forme de dépolitisation à travers la gouvernance, la gouvernementalité algorithmique, qui peut passer aussi pour émancipatrice par rapport à une normativité toujours un petit peu suspecte d'être idéologiquement marquée, de traduire des formes de domination, etc. Donc c'est pas quelque chose qui, si vous voulez, je ne suis pas opposée à la gouvernementalité algorithmique, mais ce sont plutôt des sortes de curseurs qui bougent. Mais donc, plus de catégories conventionnelles, on s'émancipe même de la notion de norme, de moyenne, en fait. Dans la mesure où les jeux de données n'ont jamais été aussi plastiques en extension, où finalement les big data, elles grossissent en temps réel. La notion même de moyenne disparaît. Comment faire une moyenne par rapport à un jeu de données qui ne cesse d'enfler, si vous voulez. Donc il n'y a plus même de notion de moyenne, cette notion de moyenne qui était elle-même perçue comme extrêmement contraignante et normative en raison des connotations que la moyenne pouvait avoir. La moyenne, c'est l'homme idéal de Quetelet, l'homme moyen, ou bien au contraire, la moyenne Shackleton, le génie, c'était vraiment quelque chose de médiocre. L'homme moyen était quelque chose de médiocre. Donc vous voyez, on peut avoir l'impression d'une très grande émancipation, en quelque sorte, par rapport à des normativités contraignantes. Et on pourrait avoir l'impression qu'être gouverné par les algorithmes, c'est être enfin libéré de toutes les formes dans lesquelles on a de cesse d'enfermer la vie. Et finalement, on a l'impression d'une gouvernementalité qui est un petit peu, qui suit au plus près une forme de normativité de la vie même. Vous voyez ? Donc ça paraît très émancipateur. Ça paraît très émancipateur parce que c'est très immanent. Alors, en même temps, ça ne l'est pas. C'est pas très émancipateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, que voient les algorithmes ? Ce que voient les algorithmes, ce ne sont pas des formes que nous puissions reconnaître, ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des sujets, il n'y a aucune forme résiliente. Ce sont seulement des modèles qui sont de purs espaces spéculatifs. Qu'est-ce qu'un profil ? Qu'est-ce qu'une modélisation algorithmique ? C'est un ensemble d'opportunités, un ensemble de risques, un espace dans lequel on puisse agir par avance sur ce qui va se produire. Donc c'est par exemple les propensions de certaines personnes à vouloir acheter certains biens à certains moments, les propensions de certaines personnes à passer un acte terroriste peut-être dans un temps plus ou moins déterminé, etc. Donc vous voyez, c'est un pur espace spéculatif. Alors, dès lors qu'on a ouvert cet espace spéculatif, ça permet à ceux qui ont la maîtrise de ces espaces spéculatifs, c'est-à-dire à ceux qui ont les données, d'agir par avance sur cet espace, sur ce qui peut se produire. Et donc vous voyez, c'est une forme de gouvernement qui a pour cible non plus l'actuel, non plus en fait le monde en chair et en os, si je puis dire, non plus l'organisme, non plus même la vie. C'est un mode de gouvernement qui se désintéresse radicalement de la matérialité et des organismes de la vie et qui n'a pour cible que l'incertitude, c'est-à-dire l'excès du possible sur le probable, que cet espace spéculatif. Il vise simplement, si vous voulez, à immuniser une réalité calculable contre ce qui échappe à la calculabilité, contre l'incalculable. Donc c'est une immunisation
du calcul contre l'incalculable, c'est une immunisation de l'impassibilité inorganique de la machine contre la passibilité de l'organisme vivant, c'est une immunisation du réel produit, donc du réel, en fait, qui n'est même pas un réel, qui est une sorte de prolifération. Cette idéologie du big data dit finalement, les big data c'est tellement grand, c'est tellement vaste que c'est le monde. Et qu'en fait, les big data peuvent se substituer au monde, elles ne représentent même plus le monde, c'est le monde sans reste. Mais en fait, ce n'est pas le monde, c'est une prolifération qui n'a absolument plus rien à voir avec le monde. C'est une prolifération numérique, ça quitte tout à fait le monde, c'est un mode de gouvernement absolument hors sol, qui renonce à gouverner la vie, qui renonce à gouverner la Terre, qui renonce à occuper, en fait, des espaces concrets, qui se désintéressent complètement des individus. Hein? Alors, par rapport aux individus, effectivement, on est rentré, du coup, dans une sorte de société de notation, hein, de scoring. Hein? On fait tous plus ou moins, et on y participe assez joyeusement, hein, en cherchant des récompenses pour tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. On cherche des likes, des plus de contacts, etc. Hein? C'est une sorte d'addiction, on est dans une sorte de société d'addiction qui fait qu'on nourrit finalement ce système de notation. Nous ne sommes plus évalués en fonction donc de notre conformité, de notre obéissance, ni même de notre performance. Nous sommes évalués tout simplement en fonction du calcul ou de l'intensité des corrélations statistiques qui peuvent être faites entre nos phéromones numériques. Certains de nos phéromones numériques, c'est-à-dire des fragments tout à fait intrapersonnels d'existence quotidienne et qui sont transcrits sous une forme numérique automatiquement, et des modèles de comportement établis par des systèmes, par exemple, de data mining, et qui sont tout à fait impersonnels, eux aussi, impersonnels, mais prédictifs. Et donc, vous voyez, et c'est précisément ça qui rend la chose un peu difficile à contester, c'est que cette indifférence radicale pour ce qui fait la singularité des formes de vie, ce qui fait la singularité des personnes, et qui n'est évidemment pas généralisable, cette indifférence aussi des algorithmes pour tout ce qui rattache les personnes à des communautés qui soient socialement éprouvées, au profit de ce qui rattache des formes de vie impersonnelles à des modèles statistiques impersonnels mais prédictifs, c'est précisément ce qui donne à cette modélisation algorithmique normative, je ne sais pas s'il faut dire algorithmique ou normative, une aura d'impartialité absolue, et qui les rend aussi incontestables et injusticiables. Donc voilà, on n'a plus du tout affaire à une réforme des psychismes individuels, ni quoi que ce soit, mais néanmoins, ça produit des effets de gouvernement qui sont notamment le fait que pour devenir des sujets dans une telle société, dans une telle dissociété, parce que c'est on peut dire même que c'est une intensification, une radicalisation de la fragmentation du processus de individualisation dont Olivier Rey a parlé, pour devenir des sujets face à une telle normativité, eh bien, les individus ou les individus ont à jouer le jeu de l'hyperquantification. Et donc, ils doivent se produire comme des individus hyper quantifiés et poster des données, etc. Donc voilà. Alors, par rapport au droit, si je peux juste rajouter une petite chose, je pourrais dire qu'il s'agit. Vous savez, même en fac de droit, on est envahi par des demandes d'IBM, Watson, par exemple, qui viennent un peu essayer de séduire les juristes avec des robots, des algorithmes d'aide à la décision juridique, d'aide à la préparation du travail des avocats, etc. Et ils veulent notre contribution gratuite, bien entendu, et gracieuse pour encoder les décisions de justice, etc., dans leur système. Hein. Oui, les juristes sont tentés par ce genre de système. Ils sont tentés pourquoi ? Parce que décider, c'est quelque chose d'assez tragique. Hein. Donc les juges peuvent être tentés. Et aussi, ce n'est pas nécessairement les décisions les plus importantes qui sont tragiques. Mais par exemple, comment décider du taux d'indemnisation d'une personne ? Et alors, il y a une disparité très grande d'un juge à l'autre. Pour le même dommage, un juge va octroyer une grosse somme et un autre va octroyer une autre. Et ça donne l'impression, ça, d'une injustice. On n'est pas égaux devant la loi et devant l'application de la loi, puisqu'un juge, pour la même chose, va attribuer des... nous attribuer plus ou moins d'argent.
Alors, oui, évidemment, on serait tenté de systématiser, d'harmoniser ces choses-là, justement, par des machines qui font du pattern recognition. Ça, en gros, c'est ce que font les avocats et les juges. Hein, et ils se font du pattern recognition dans la jurisprudence, dans la loi, etc. Donc, c'est tentant. C'est tentant. Le problème, évidemment, c'est que ça mettrait en place littéralement une normopathie, c'est-à-dire une maladie de la norme. Ça mettrait la norme complètement en panne, parce que ça inverse en quelque sorte le rapport entre le donné et le droit, entre les données et le droit. Ici, ce seraient les données, si vous voulez, qui viendraient apprendre au système juridique ce qu'est le droit. Hein, alors ça pourrait marcher un peu peut-être dans un système de common law, ce serait moins orthogonal que dans un système de civil law, mais ça voudrait dire qu'on reprend, chaque fois qu'on a un cas, qu'un juge doit décider d'un cas nouveau, qui ne s'est pas présenté devant lui, qui n'est donc pas de l'élément du calcul, eh bien, il aurait un algorithme qui aurait pu analyser l'ensemble de la jurisprudence et pour lui fournir la décision optimale. Mais ça veut dire ça, qu'il faut faire confiance, une confiance totale à la jurisprudence. Ça veut dire qu'on assigne une sagesse incroyable aux juges qui nous ont précédés. Donc ça fige un petit peu les choses. On a proposé, IBM a proposé dans certains pays, dans les pays africains notamment, dans lesquels il y a beaucoup de corruption des magistrats. On dit, autant remplacer les magistrats par des robots. Au moins, comme ça, ça sera plus objectif, on va échapper à la corruption. Puis on ne pourra pas donner un matabiche, on ne pourra pas donner des cadeaux au magistrat robot pour obtenir une décision favorable. Mais le problème, bien évidemment, c'est que l'algorithme, lui, il va se fonder sur les décisions de justice qui ont été prises antérieurement dans la même juridiction. Alors, les décisions de justice qui ont été prises antérieurement dans la même juridiction l'ont été par les mêmes magistrats, en fait, hein, tout aussi corrompus. Et donc, vous voyez, si vous voulez, il y a une sorte de naturalisation de l'état de fait qui empêche de la remettre en question et qui empêche de remettre en question, si vous voulez, la validité, la légitimité de décisions antérieures. Mais ça se produit comme ça au niveau des juges, ça se produit aussi comme ça quand on a des algorithmes de recommandation à l'embauche, par exemple, des employeurs peuvent vouloir se fonder sur des algorithmes de recommandation de manière précisément à gagner en objectivité, à être plus impartiaux, parce que chacun sait qu'on aime travailler avec des gens qui nous ressemblent. C'est même quand on veut s'en défendre, c'est comme ça. Et les employeurs tout à fait bienveillants et vertueux ne veulent pas céder à ce genre de biais. Donc ils peuvent avoir envie de recourir à des algorithmes de recommandation, mais qui ont eux-mêmes été nourris par des données qui viennent de l'état de fait, qui viennent de la société. En fait, le problème là-dedans, c'est que les données passent pour des faits, alors que les données ne sont jamais que des effets. Les données telles qu'elles sont enregistrées dans un secteur d'activité particulier, par exemple, elles sont les effets des rapports de force, des rapports de domination, des rapports de stigmatisation, du privilège octroyé, par exemple, aux femmes sur les hommes dans les promotions, etc., qui font qu'en fait, tout ça, tous ces faits-là, sont enregistrés comme des purs faits, et non plus comme des effets, et passent pour la réalité objective, si vous voulez. Et donc, l'algorithme va toujours recommander ce qui renforcera la norme sociale dominante. Vous voyez ? Donc, on veut être plus objectif, et en fait, on veut se séparer de nos biais humains, et en fait, on renforce une norme sociale absolument, absolument biaisée. Tout ça pour dire que voilà, cette normopathie, en fait, ce qu'elle produit, eh bien, c'est qu'elle elle met à mal, si vous voulez, elle met à mal les prémices même de l'état de droit. Quelles sont ces prémices de l'état de droit? La prémisse principale de l'état de droit, c'est que nous sommes séparés du monde, que notre réalité est toujours produite, et elle est toujours, toujours, toujours biaisée, et que ces biais, nous devons les vouloir. Nous devons pouvoir les justifier et nous devons pouvoir les aimer, parce que nous pouvons les aimer si nous sommes capables de les justifier. Devenir, comme dirait Bernard Stiegler, la quasi-cause des causes qui nous définissent. Hein, devenir, je pense que, et en droit, ça joue comme ça aussi. Alors, ce désajointement que le droit présuppose et qu'il ménage, c'est un désajointement entre le sujet et ses comportements. Un sujet de droit n'est jamais réductible à la somme de ses comportements, la somme de ses actions et de ses interactions. Un sujet de droit n'est jamais réductible à un profil. C'est le premier désajointement. Or, la gouvernementalité algorithmique, elle confond complètement le sujet et ses comportements, puisque nous ne sommes jamais que des profils. Deuxième désajointement, la réalité juridique est désajointée au monde.
Alors là, il suffit de voir toutes les fictions, les présomptions qui sont ces instruments fabuleux du droit, qui fait que le droit est un instrument, est une discipline quasiment magique, qui peut par exemple attacher une poule, qui peut rendre une poule, transformer une poule en immeuble, hein, simplement par destination, comme on dit. Hein. Donc quand une poule se trouve sur un terrain adjacent à une ferme, il va faire partie de l'immeuble, donc ça devient un immeuble, vous voyez. Donc le droit peut tout transformer, c'est magique. Et pourquoi ne nous servirions-nous pas de ces vertus magiques du droit, justement qui nous permettent de transformer un état de fait insoutenable en quelque chose d'autre? Pourquoi devrions-nous nous laisser dicter l'avenir par un état de fait? Aujourd'hui, ce que font les algorithmes, qui font essentiellement de l'optimisation et de la préemption, c'est pas faire du projet, c'est-à-dire c'est pas arranger les choses pour que ça aille mieux. Non, c'est clôturer l'actuel sur lui-même. Et qu'est-ce qu'ils font ces algorithmes? Ils clôturent l'actuel sur lui-même en faisant en sorte que cette actualité calculable ne soit même plus dérangée ni par les sujets, ni par la vie, ni par la matière, ni par rien du tout, ni par le monde. Et donc, là, le droit a quelque chose à jouer en revendiquant une réalité juridique absolument artificielle, et revendiquer cette artificialité-là, je sens que c'est quelque chose d'important. Troisième désadjointement, bien entendu, c'est la distinction à faire entre l'état de fait et l'état de droit. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument revendiquer comme tel, et cette distinction entre l'état de fait et l'état de droit, qui fait qu'en fait, le droit ne produit pas la vérité, le droit ne produit que des effets de vérité qui trouvent toute leur légitimité dans leur contestabilité, dans le fait qu'on peut toujours faire appel, dans le fait qu'on peut toujours dire que, mais non, c'est le droit a un fondement dogmatique, et cette dogmatique-là, moi je n'en veux pas, mais cette dogmatique, elle est consciente d'elle-même dans le cas du droit, et donc le droit organise lui-même la remise en question de ses propres productions. Et c'est ce métabolisme juridique-là qui risque d'être littéralement tué si les juristes cèdent à la tentation de l'inséparation, à la tentation algorithmique de l'inséparation. Voilà, j'en reste là pour l'instant. Excusez-moi d'avoir été si long, en fait. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses, effectivement, oui. On va revenir peut-être dans un deuxième tour. Je vous propose que le deuxième tour, quand on soit plus rapide, pour avoir un peu plus de temps pour les questions sur la salle. Mais en réalité, vous avez tous les trois déjà commencé à amorcer la réponse à la deuxième question dont on a discuté au préalable. Donc, cette question de normativité de l'individu, et sur quoi porte la normativité, je m'adresse à Olivier Rey. Effectivement, et ça fait le lien du droit, cette fois-ci en revenant à la question de la statistique et du big data, c'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression avec le big data que les analyses ne portent pas sur les individus, effectivement, elles portent sur les entités ou les individus, comme dirait notre Anders ou Deleuze qui le reprend effectivement aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression qu'on est au même niveau ontologique, on a à la fois les fragments de comportement, des humains, des machines, des événements emblématiques, des transactions bancaires, etc. On n'a que des fragments comme ça, ou une certaine granularité qui est l'objet de l'analyse. Et ma question, est-ce que malgré tout, la société peut se saisir de manière critique de ce nouveau état de fait par rapport, en mettant en perspective avec l'analyse statistique du 19e, que vous avez décrite, comment on peut s'y prendre alors que la notion même de l'individu disparaît au profit de cette notion de comportement? Est-ce que, selon vous, il y a quand même des critères ou des moyens de réactiver cette idée de juste mesure? Et si les données peuvent ou non, malgré tout, nous y aider, voilà. Bon, je vais essayer de répondre à cette question. Peut-être juste avant, j'ai une précision que je voudrais attirer l'attention sur une chose. C'est qu'il ne faut pas confondre, je suis très mal à l'aise avec le terme de numérisation, parce que numérisation, on a tendance à faire directement le lien avec des nombres, donc avec de la quantification, alors qu'en fait la numérisation en tant que telle, c'est de la codification, ce qui n'est quand même pas la même chose. D'ailleurs, il y a Clarisse Ehrenschmidt qui a écrit un livre, un très bon livre dans la bibliothèque des sciences humaines de Gallimard, qui s'appelle « Les trois écritures, langue, nombre, code ». Et en fait, ce sont trois choses différentes. Et en fait, quand on code en informatique, on code avec des 0 et des 1. Mais en fait, ces 0 et des 1,
ça aurait pu être des carrés et des triangles, et est-ce qu'à ce moment-là, on aurait parlé de géométrisation du monde? Ou si ça avait été A et B, est-ce qu'on aurait parlé d'alphabétisation du monde? Vous voyez? Alors, il est en même temps, je reconnais que si on a pris des 0 et des 1, et non pas des A et des B, ou des carrés et des triangles, c'est que malgré tout, c'est quand même un certain rapport de quantification au monde qui, si vous voulez, a joué son rôle dans cette idée de tout coder en binaire. En même temps, le code binaire en lui-même, ça n'est pas, les 0 et les 1 de l'informatique ne sont pas des nombres. C'est juste les deux éléments d'un code, d'un code binaire. D'ailleurs, encore une autre petite parenthèse, mais 1, 2, 3, c'est des nombres très particuliers. Non seulement parce que ce sont les trois premiers, mais d'une certaine manière, d'un point de vue mathématique, on pourrait dire que c'est à peine des nombres, si vous voulez, dans la mesure où il semblerait que dans nos capacités cognitives, nous ayons une capacité immédiate à reconnaître du 1, du 2 ou du 3 sans avoir besoin de compter. Or, pour un mathématicien, le nombre, c'est quelque chose qui est engendré par l'opération quand on se met à opérer, justement. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les différents nombres en mathématiques ont été engendrés. Il en a été question un peu tout à l'heure. Vous voulez, bon, en mathématiques, on parle des entiers naturels, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et puis après, là-dessus, on se met à faire des opérations. Et alors, quand on se met à faire des opérations, on peut les additionner, mais on peut faire aussi des soustractions. Et quand on fait des soustractions, bah, si on fait 3 moins 5, et bah, quel est le résultat? Et ça va engendrer les nombres négatifs. Les nombres négatifs sont engendrés par les opérations, l'opération soustraction sur les entiers naturels. Et puis ensuite, ce qu'on peut faire, on peut faire des multiplications, mais on peut faire l'opération inverse de la multiplication, qui est la division. Et ça va engendrer les nombres dits rationnels, P entier divisé par Q entier, et rationnel, ça veut dire simplement qu'il y a une raison entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre les nombres. Et puis ensuite, en fait, on peut faire encore d'autres opérations. Par exemple, on prend des équations dites polynomiales, dont on cherche les solutions, et là, on va percevoir que dans un certain cas, les solutions ne peuvent pas s'exprimer sous une forme rationnelle. Alors, ça, quand on dit que le nombre est irrationnel, ça ne veut pas dire qu'il dépasse la raison. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'écrire comme le rapport entre deux entiers naturels. Alors, c'est ce qui se passe avec le théorème de Pythagore. Si on a le triangle rectangle A carré plus B carré égale C carré, si on prend A égale B égale 1, ben on se retrouve avec C carré égale 2. Ben, la solution, c'est C égale racine de 2. Et depuis la plus haute antiquité, on sait que racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme. Mais vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des opérations qui engendrent ces nombres. Alors, il se trouve que 1, 2, 3, en fait, ils existent préalablement. C'est-à-dire que, comme il a été dit tout à l'heure, en fait, un enfant, il peut reconnaître, il peut faire des distinctions immédiates sans avoir besoin de compter. Et il y a des expériences qui sont très simples à faire. C'est quand on jette des allumettes, un nombre d'allumettes comme ça sur la table, et on demande à quelqu'un de dire combien il y en a. En fait, là, quand il y en a une, deux ou trois, on répond absolument immédiatement. À partir de quatre, ça dépend des personnes, quatre ou cinq, on est obligé de se mettre à compter. Et tout d'un coup, le temps de réponse va beaucoup s'allonger parce qu'on est obligé d'opérer, c'est-à-dire de faire 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. Alors, il y a certains autistes qui, eux, n'ont pas besoin de compter jusqu'à beaucoup plus loin, et je crois que le record, c'est 27, c'est-à-dire c'est quelqu'un, en fait, si on jette 27 allumettes sur la table, et je ne sais pas que c'est 27, hein, évidemment, mais jusqu'à 27, en fait, il a juste à regarder, et il voit 27 comme le commun des mortels voit 1, 2 ou 3. Mais enfin, bon, c'est des choses très particulières. Et puis par ailleurs, on a trouvé aussi des peuples en Amazonie qui, eux, en fait, n'ont pas de mots pour compter au-delà. Enfin, ils n'ont des mots que pour 1, 2, et ensuite, c'est beaucoup. C'est beaucoup et beaucoup, beaucoup, quoi. Il y a d'autres peuples qui vont jusqu'à 5 seulement, et puis après, bon, parce que ça leur sert à rien, quoi. Mais c'était pour faire la différence entre justement le 1, 2, 3, si vous voulez, et puis le nombre au sens mathématique du terme. En fait, on peut avoir des notions de 1, 2, 3 qui, d'une certaine manière, ne sont pas mathématiques. Alors après, pour la question qui est posée ici, comment la société peut-elle se saisir de manière critique de la nouvelle situation
où nous sommes avec les données massives, bah, en fait, je pense que c'est extrêmement difficile, parce que comme il a été dit de manière très pertinente tout à l'heure, quand on se met à parler de big data, ça veut dire, quand on emploie le mot big, c'est que précisément, on n'arrive pas à s'en saisir. Alors la seule manière que précisément on a d'affronter ce déluge qui nous submerge, Sloterdijk a une bonne formule, hein, il dit aujourd'hui nous sommes contraints à penser dans l'avalanche, c'est qu'il y a toujours quelque chose, des choses qui déferlent sur nous, et alors les données sont parmi ces choses qui déferlent sur nous, on est dans l'avalanche, et après, comment faire face? Eh bien, on ne peut faire face qu'avec des outils informatiques, avec des outils informatiques, avec de l'intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle justement qui... si on est obligé de s'en remettre à cette intelligence artificielle, c'est que notre intelligence propre est dépassée. Et donc, comment s'en saisir? Je dirais que par définition même, on ne peut pas s'en saisir. Alors, à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a des personnes qui vous disent, alors, comme le docteur Laurent Alexandre, publiciste bien connu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il signe tous ses livres docteur Laurent Alexandre, alors je ne vois pas tellement en quoi sa qualité de médecin le qualifie pour parler de ce dont il parle, enfin bon, c'est comme ça, c'est un peu comme le commandant Cousteau, enfin je ne sais pas, ils ont des syntagmes comme ça, enfin bon bref, donc il nous dit que ce qui va se développer de manière inéluctable au sein du siècle dans lequel nous sommes entrés, c'est une prise de pouvoir de plus en plus grande de l'intelligence artificielle, parce que précisément notre intelligence est totalement dépassée, le sera de plus en plus, et donc il n'y a que l'intelligence artificielle qui peut gérer les affaires, et ce qu'il dit, et ce qu'il en déduit, c'est que la seule chance que nous avons de continuer à jouer un tout petit rôle dans cette affaire, c'est de nous rendre complémentaires de l'intelligence artificielle. Et donc c'est pour ça qu'il préconise le remplacement du quotient intellectuel par le quotient de complémentarité à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire simplement notre faculté à nous rendre complémentaires de cette intelligence qui sera artificielle, qui sera la seule à pouvoir gérer ces torrents de données. En même temps, si vous voulez, toutes ces prédictions sont quand même fondées sur des bases extrêmement fragiles. En particulier, elles s'appuient énormément sur ce qu'on appelle la loi de Moore. C'est une loi qui a été formulée dans les années 60. Alors, elle a plein de formulations, mais disons que la formulation vulgaire de la loi de Moore, c'est que la puissance de l'informatique double à peu près tous les 18 mois. Bon. Mais alors, en fait, un certain nombre de gens prennent cette loi un peu comme la loi de la gravitation universelle de Newton. Et donc, quoi qu'il arrive, la loi de Newton, elle est là. Alors que la loi de Moore, c'est une loi complètement empirique et qui, en plus, dépend totalement des investissements qui sont consentis par l'industrie informatique pour qu'elle se poursuive. Et en fait, d'ailleurs, il paraît que les industriels de l'informatique trouvent qu'aujourd'hui, ça coûte trop cher de continuer à ce que la loi de Moore se perpétue, et donc voilà, la loi de Moore elle ne va plus être vérifiée. Exponentielle, donc c'est... Oui, bah, de toute façon ça joue toujours, on a pu continuer à ce qu'elle soit vérifiée au cours du dernier demi-siècle avec en allant toujours plus loin vers la miniaturisation. Mais là, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échelle atomique, à un moment donné, il va bien falloir s'arrêter. Mais alors, bon, la loi de Moore, alors donc, en fait, on prévoit que la puissance informatique, alors c'est les trucs à la Ray Kurzweil, je ne sais plus, c'est en 2035 ou quelque chose comme ça, en fait, l'intelligence artificielle sera beaucoup plus puissante que tous les cerveaux humains mis en série, enfin, des choses comme ça. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, si vous voulez, c'est que non seulement ces courbes qui sont extrapolées, en fait, elles ne vont pas se poursuivre comme il est prévu, mais deuxièmement, ce qui est totalement ignoré dans ces histoires-là, c'est qu'il y a d'autres courbes qui nous racontent une histoire totalement différente par rapport, par exemple, au cours du dernier demi-siècle. D'après les études disponibles, il y a 58% des vertébrés qui ont disparu de la surface de la... Enfin, disons que le nombre de vertébrés vivants sur la Terre a diminué de 58%.
Bon, pendant ce temps-là, la population humaine a fait plus que doubler. Les ressources en eau potable par habitant ont été divisées par deux, etc. Et alors, si on poursuit ces courbes, on s'aperçoit qu'avant que l'intelligence artificielle ait le merveilleux destin qui nous est promis, en fait, les ingénieurs de l'intelligence artificielle n'auront plus à boire ni à manger. Et donc, en fait, là, si vous voulez, c'est de cette manière-là, on voit que, si vous voulez, on se pose aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai l'impression, hein, si vous voulez, quand on s'interroge trop avant sur ce qui va nous arriver avec ce déferlement de l'intelligence artificielle qui va prendre le pouvoir, etc., c'est aussi quelque chose qui détourne complètement notre attention d'autres questions qui sont les questions absolument fondamentales. Et ça n'est pas pour rien que les grandes industries californiennes et autres ont intérêt, si vous voulez, à nous faire tous ces récits sur l'intelligence artificielle, sur le transhumanisme, etc. C'est parce que, en fait, c'est aussi une manière de détourner l'attention pour qu'on continue, si vous voulez, à poursuivre sur cette voie, alors même qu'elle nous mène à la catastrophe. Et ce qui est particulièrement pervers, c'est que ces milliardaires californiens le savent fort bien, puisque par exemple ils ont créé il n'y a pas très longtemps le Systeling Institute, qui est un institut qui a pour but maintenant d'aller construire des plateformes flottantes. Alors il y a un accord qui vient d'être signé avec le gouvernement de la Polynésie française pour installer les premières plateformes flottantes dans des lagons de Polynésie, en bénéficiant par négociation d'un statut d'extraterritorialité. Et si vous voulez, ce sont des gens qui voient que le monde, comme ils le disent, va couler, et que, en fait, ils sont en train de construire leur arche de Noé. Il y a énormément de ces Californiens qui achètent aussi des terrains dans le sud du Chili en se disant, là, avec le réchauffement climatique, normalement, on est dans une zone suffisamment tempérée pour que ça se passe pas trop mal. Donc, si vous voulez, c'est des gens qui, à la fois, produisent ce discours en disant, c'est formidable, on va la mort de la mort, on va transférer notre cerveau sur l'informatique, etc., et qui, en même temps, sont en train de... Mais, en fait, parce que ça leur permet de gagner beaucoup d'argent, encore, qui leur permet de construire leur plateforme sur laquelle ils espèrent survivre quand le reste va s'effondrer. Et donc c'est pour ça que finalement, moi je n'ai plus très envie de faire de prospective, si vous voulez, à long terme, sur les questions d'intelligence artificielle, de big data, etc. Il y a Mars aussi. Oui, bah, bien sûr. Mais la galaxie... C'est loin, mais c'est... Oui, merci beaucoup. Je suis désolé, je me suis complètement éloigné du sujet. Mais effectivement, je vais revenir quand même sur cette idée de. Mais après, enfin, malgré tout, on est toujours sur le même territoire, si je veux dire. C'est-à-dire que la question que je me pose aujourd'hui, vous avez souligné de différentes manières cette distance critique et la perte de la distance critique entre le réel et le construit, ou le donné et le construit, et qui se joue à chaque fois de manière différente, que ce soit d'une culture à une autre, ou d'une période historique à une autre. Ma question, c'est simplement de me demander, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une perte de distance critique plus importante avec les data, etc., ou est-ce qu'au contraire, cette perte de distance, si elle est plus grande, si c'est le cas, peut nous est-ce qu'on peut avoir une occasion, ou l'occasion de rendre cette distance visible? Voilà, et donc travailler sur cette distance, sur la compréhension de cette distance entre le réel et le construit. Oui. Un élément sous-jacent à tout ce que nous disons, c'est le fait de décomposer. Ce qui est numérisé, ce qui est digitalisé, c'est décomposé par rapport à un donné. Mais le donné fondamental, il est continu. Alors, si nous voulons en faire des données, nous devons le séparer en éléments distincts. Quand on regarde ce que sont les données, en fait, cela aussi a déjà été théorisé dans notre culture. Ce sont en fait les... Qu'est-ce que c'est des données? Eh bien, ce sont des regards portés sur certains éléments du monde sensible selon les 10 catégories d'Aristote.
Voilà. Quelle est la substance de la chose? Où est-elle? Quand parle-t-on? Comment? À côté de quoi? Et ainsi de suite. Les 10 catégories d'Aristote. Donc c'est du discret. On prend un donné qui pour nous est indissociable et on va le partager en éléments distincts. Et la question qui est posée évidemment, c'est est-ce qu'il y a des perditions? Une fois qu'on a parlé dans les 10 catégories et qu'on a épuisé tout ce qu'on pouvait dire sur la quantité, sur toutes les qualités possibles de l'objet, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui manque? Ou alors la question qui a été évoquée tout à l'heure et dans la première partie également, est-ce qu'il y a un reste dans l'avenir par rapport aux données? La question de l'ergodique, est-ce qu'en examinant toutes les configurations possibles telles que nous les connaissons, est-ce que nous épuisons ce qui va se passer plus tard? Non. Et la difficulté est là, évidemment, c'est que nous essayons d'appliquer des calculs de probabilité à des choses qui ne se sont jamais passées, c'est-à-dire pour lesquelles nous ne pouvons pas extrapoler une fréquence pour tomber sur une probabilité. Ceci dit, là je voudrais aussi, je dirais, déraper un peu, parce que je voudrais quand même embrayer sur ce qui vient d'être dit, parce qu'on peut faire aussi l'avocat du diable. On peut, par rapport à tout ce que nous disons toujours, se poser dans la position de Hegel quand il parle de la ruse de la raison, c'est-à-dire que nous parlons de certaines choses d'une certaine manière, mais il y a ce qui nous échappe, c'est-à-dire ce qui se passe en réalité et qui n'est pas vraiment ce que nous croyons faire. Bon exemple, c'est quand Arthur Koestler fait une histoire de l'astronomie, des débuts de l'astronomie avec les Tycho Brahe, les Kepler, les Galilée, etc. Il les appelle les somnambules parce que qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les gens qui constituent les méthodes, le princeps de ce qui sera la science moderne, en inventant par exemple le calcul infinitésimal et des choses de cet ordre-là, alors que ces gens, au départ, ils croient faire une chose qui n'a aucun rapport à ce que nous les voyons faire, ils croient perfectionner les méthodes de l'astrologie. Alors, quand nous les regardons maintenant, disons que c'est pas du tout ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de créer autre chose. Ils sont en train de construire un discours de type hypothético-déductif par rapport à un discours qui était purement magique. Alors, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut se faire un petit peu l'avocat du diable, regarder ce qui est en train de se passer et penser à ce big data, penser à cette intelligence artificielle, penser à ce transhumanisme par rapport justement au problème qui se pose à nous et de se demander s'il n'y a pas là quelque chose qui est en train de se passer qui est d'un autre ordre que ce que nous appréhendons de manière directe. Quand on regarde les espèces animales, certaines espèces animales ont un mécanisme de fécondité lié à la densité. C'est-à-dire, par exemple, que certains poissons vont pondre moins d'œufs quand il y aura une grande densité de poissons localement. Quand il y en aura très peu, ils pondront davantage d'œufs, etc. Nous avons peut-être en train d'avoir lieu maintenant des mécanismes de ce type-là qui sont des tentatives de survie au niveau de l'espèce. Ça existe pour tous les animaux. Pourquoi est-ce que ça n'existerait pas par rapport à nous? Est-ce que nous ne sommes pas dans ce processus? Nous sommes dans un double processus d'emballement de la technologie qui fait que de plus en plus nous confions à la machine la décision de prendre des décisions par rapport à la machine, mais en même temps nous sommes dans un processus de rendre notre planète absolument invivable par rapport à la survie de notre espèce. Vous avez entendu parler sans doute de cette Doomsday Clock, l'horloge de l'apocalypse, auquel personne n'avait pensé en termes purement naturels, d'éruptions volcaniques, de météorites, etc., avant 1945, mais quand nous inventons nous-mêmes les armes thermonucléaires, nous posons la question de savoir si nous ne nous rapprochons pas de notre extinction. Et vous en avez entendu parler de ces savants qui font des calculs savants, précisément, pour savoir si on se rapproche de la fin. Et vous savez bien, la nomination de M. Trump et la possibilité qu'il soit réélu augmente, bien entendu, en fait diminue notre survie possible et nous rapproche de l'extinction. Les individus peuvent nous rapprocher de l'extinction. Alors, nous sommes dans cette double course, d'une part de destruction de notre planète, c'est-à-dire que si nous voulons survivre comme espèce, il faudra peut-être se rendre ailleurs, et d'autre part de technologie absolument folle qui nous produit effectivement des choses qui ne rendent pas invraisemblable cette idée de singularité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous ne comprenions plus ce que nos machines font. Et nous ne sommes pas, en réalité, je crois qu'on ne sommes pas loin de cela, parce qu'il y a des éléments dans l'actualité qui nous parlent de cela.
Vous le savez, en 2015, on nous dit une machine ne gagnera jamais au jeu de Go, parce que le jeu de Go est un jeu qui, où on ne peut pas épuiser simplement par le calcul les possibilités de configuration, parce qu'il y a trop de pièces. Donc, il faut une intuition de type humain. La machine n'aura pas ça. L'année suivante, tous les champions de Go sont battus par une machine qui est plus forte qu'eux. La machine a découvert que l'intuition. Au début de cette année-ci, tournoi de poker entre une machine et des champions de poker. La machine bat à plate couture les champions de poker. Le plus surpris, c'est le programmeur qui dit « Je n'ai absolument pas appris à cette machine à bluffer. » Elle l'a découvert toute seule, ce qui se passe de cette manière-là. De la même manière que l'autre, la machine précédente n'avait pas d'intuition à proprement parler. On n'avait pas programmé l'intuition. La machine AlphaGo 0, ça c'était tout à fait récent, bat à plate couture la machine AlphaGo initiale, elle gagne par 100 à 0, etc. C'est-à-dire que la machine décolle de manière tout à fait remarquable par rapport à nous. Alors, la question doit quand même se poser, est-ce qu'il faut réagir simplement, je dirais, par la dérision ou la peur ou je ne sais quoi, vis-à-vis de cela? Ou est-ce qu'il faut envisager sérieusement, comme les gens qui tiennent des discours, je dirais, qui sont a priori peut-être comiques plutôt que sérieux, comme M. Kurzweil ou des gens de cet ordre-là, est-ce qu'il ne faut pas laisser la machine trouver la solution aux problèmes qui sont insolubles par nous? Si la machine est vraiment beaucoup plus intelligente que nous, est-ce qu'on ne peut pas lui confier la question de notre survie, puisque la question commence à se poser véritablement? Tous les chiffres qui tombent tous les jours sur la fonte de la glace, des glaces au Groenland, sur la montée des eaux, et ainsi de suite, les chiffres sont absolument inquiétants. Est-ce qu'il ne faut pas confier à la machine d'essayer de résoudre la question de notre survie, puisque nous avons quand même fait la preuve que le prince ne tient jamais compte de ce que dit le philosophe, que les rares tentatives se comptent sur les doigts d'une seule main, single digits, d'essayer d'utiliser notre savoir pour essayer de résoudre nos problèmes? Est-ce que ce n'est pas le réel en tant que tel qui va nous forcer à prendre plus au sérieux cette possibilité, même s'il faut à ce moment-là, je dirais dans un esprit des lumières, à la Condorcet, à la Diderot, etc., penser à la perfectibilité possible de l'humain, c'est-à-dire de mettre peut-être entre parenthèses, et là je vais dire des choses abominables, d'être prêt à réviser la notion de la nature humaine. Si nous voulons être prométhéens, nous devons faire un pas en arrière par rapport à cette idée que parce que nous ressemblons à Dieu, parce qu'il nous a conçu à notre image, nous ne puissions pas améliorer les choses. Ça devient peut-être une question, je dirais, de vie ou de mort, que nous soyons plus pragmatiques dans cette direction. Mais là, je sais que je viens de dire des abominations. En tout cas, ça ouvre des pistes que l'on peut discuter. Mais juste, justement, en parlant de ces pistes, je vais vous poser une dernière question assez rapide, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. C'est la question de la fiction juridique et de la couille, donc, qui fait noble. Quelles, selon vous, seraient peut-être les formes, effectivement, de nouvelles fictions juridiques qui seraient à la mesure de ce qui se passe avec la datification du monde? C'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'on peut inventer une poule numérique, digitale, je ne sais pas, sans pour autant, effectivement, parce que bon, après, il y a d'autres. Parce que quand je vois, par exemple, je pensais à ça, mais quand je vois, par exemple, tout le débat autour et je connais les gens qui défendent ces positions-là, des droits de robots, par exemple. Enfin, voilà, on quitte un petit peu. Non, justement, c'est bien le problème. C'est-à-dire, quelle serait la forme de fiction juridique nouvelle, adaptée à ce qui se passe aujourd'hui, sans pour autant de tomber dans ce qu'on sait de cette mouvance-là? Parce qu'effectivement, c'est une mouvance très, très problématique. Voilà, c'est ça ma question. Alors, merci. Je prévois déjà de beaucoup dévier de la question, parce que je pense que la poule doit d'abord pouvoir manger, en fait. Or, aujourd'hui, comme dit Frédéric Vérin, les deux mots dont meurent nos sociétés, c'est d'abord la croyance en l'indemne, qui est lié en fait précisément à cette substitution totale du numérique
au physique, au monde organique. On croit qu'on peut se satisfaire en fait de cette extase numérique qui va nous envoyer je ne sais où en fait. Personne ne sait très bien la destination de ça. Mais c'est cette croyance en elle-même qui nous permet précisément de tout détruire. De tout détruire, c'est-à-dire tout ce qui existe vraiment. Donc cette sorte de métaphysique de la pure présence, c'est-à-dire d'une présence des données sans existence, qui est précisément ce qui nous éloigne de la juste mesure. C'est la question de la juste mesure, puisque les données, finalement, elles évoluent dans un espace neutralisé, un espace purement métrique qui n'a absolument rien à voir avec ce qui va faire manger la poule, c'est-à-dire le grain, la terre, ce qu'on habite. Donc ça, c'est le premier problème. Avant de pouvoir inventer des fictions juridiques, il faut se rendre compte de quel est le problème auquel on va essayer de résoudre avec nos fictions, quel est l'espace qu'on doit remplir, quel est le désajointement qu'on doit faire exister pour pouvoir faire exister une fiction ou une fabulation qui nous oriente vers une société plus soutenable. Le deuxième mot dont meurt la société, c'est la programmation des conduites qui nous empêche d'exister. Et là, on est en plein dedans avec le numérique, cette question de la programmation. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'il y a une chose, un impératif absolument évident, tellement évident que ce n'est pas très intello de le dire, c'est que nous sommes responsables de ce qui nous héberge. Et ce qui nous héberge, ce n'est pas un cloud. Nous ne sommes pas dans le cloud, nous ne sommes pas dans le numérique, nous ne sommes pas, en fait, là, pour l'instant, on a un corps, on a un organisme qui est affecté, qui est consistant, qui a une consistance en lui-même, c'est-à-dire qu'il est susceptible d'événements imprévisibles, comme la naissance, pour moi, c'est trop tard, je suis déjà née, mais je peux toujours mourir, ça, je ne sais pas très bien quand ça... de vulnérabilité, qui sont, en fait, la raison pour laquelle nous avons besoin les uns des autres, et que cette obsession du coût réel, assignée à chacun son coût réel grâce à, une hyper-individualisation des profils, etc., c'est une manière de faire dissocier société qui n'est absolument pas soutenable. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette utopie, de cette dystopie de la purification, c'est-à-dire de l'opposition entre l'organisme et ce qui relèverait d'une forme de rationalité ou d'irrationalité numérique. Cette sorte de purification qui, en fait, ne correspond à rien d'existant. C'est une pure présence sans existant. Alors, par rapport à ça, je voulais avoir une perspective un peu positive quand même. Est-ce que les algorithmes peuvent nous aider à nous rendre responsables de ce qui nous héberge? Mais oui, bien sûr. Bien sûr, les algorithmes, grâce à la possibilité qu'ils ont, en fait, d'avoir une vision plus large de l'ensemble des données existantes, qui ne sont pas le monde, mais qui sont des signaux, qui signalent certaines choses à propos du monde, peuvent, dans certains cas, nous rendre plus sensibles à des choses qui échappent à notre perception, peuvent nous rendre plus sensibles au fait que nous pourrions peut-être consommer moins à certaines périodes de la journée, par exemple. Donc, essayer de nous aider à mieux gérer notre consommation, à mieux détecter, en fait, les signes avant-coureurs de catastrophes climatiques, nous alerter du point de non-retour que nous avons malheureusement franchi, mais éventuellement des possibilités aussi de faire marche arrière. En tout cas, ça peut... Les algorithmes sont tout à fait bénéfiques lorsqu'ils nous rendent plus intelligents, tout simplement. Être plus intelligent, c'est pas s'en aller dans des calculs, dans l'immunisation du calcul et de l'optimisation envers je ne sais pas très bien quoi, mais nous rendre tout simplement plus connectés à ce qui nous émerge et nous rendre un peu plus rationnés, justement, dans la façon d'habiter le monde. Alors pour ça, les algorithmes, ils doivent dire d'où ils parlent. Ils ne sont pas une pensée, ils ne nous rendent pas de nulle part. Il faut que les algorithmes rendent compte, en quelque sorte, rendent compte du type de données qu'ils utilisent. Ces données, bon, elles viennent bien de quelque part. Il faut resituer, c'est-à-dire relocaliser la source des données de manière à leur retrouver une forme de référentiel afin de leur rendre du sens, en fait, pas seulement une puissance ou de la capacité qui sont de nourrir des algorithmes, voilà, mais donner du sens. Et pour ça, quoi, il faut pour pouvoir comprendre en fait ce dont les algorithmes peuvent nous avertir, qui serait éventuellement positif pour notre rationalité, il faut savoir dans quelle mesure on peut leur faire confiance. Et pour ça, il faut savoir quand même un peu d'où viennent les données, comment les corpus ont été constitués. De nouveau, on en revient finalement à la même question de l'interprétation, de la construction des corpus. Savoir en fait
de quelle réalité matérielle, physique, sociale, tout cela provient. Et de ne pas donner trop d'autorité non plus aux algorithmes. Les algorithmes, ils ont comme nous un point de vue, en fait. Ils ne remplacent pas tous les autres points de vue sur le monde. Ils ont un point de vue particulier. Et pour être, en fait, ce que Georges Huberman disait, pour savoir, c'est d'abord se situer. Mais les algorithmes, pour prétendre au savoir, doivent d'abord se situer et expliquer d'où ils parlent. Quel est le type d'historicité, depuis quand, les données, depuis quand ils utilisent tel type de données, etc. Quel poids relatif donne-t-il à tel type de données qui émanent de tel pourcent du monde par rapport à tel autre type de données? Quelle est leur fonction objective? À quoi servent-ils? Tout ce genre de choses-là, je pense que c'est quelque chose d'assez assez important. Et alors, je pense aussi qu'il faut prendre, vraiment, il faut respecter la nature, en fait, la culture des machines. Il faut prendre les machines au sérieux. Il faut arrêter de les prendre, c'est-à-dire de faire croire qu'elles font des choses comme nous. En fait, les machines ont un mode d'existence qui est tout à fait différent du nôtre. Il ne faut pas croire qu'elles vont nous remplacer parce qu'en fait, elles n'ont rien à voir avec nous. Disons qu'elles sont... Et leur mode d'appréhension du réel ou de construction du réel a sa propre dignité. Elle a sa propre dignité. Mais n'essayons pas de projeter sur ces machines des fantasmes d'intelligence, des choses comme ça. Non, elles font toute autre chose. Et je pense que pour pouvoir penser, justement, sortir de cette opposition, les hommes d'un côté, les machines de l'autre, et c'est la guerre, qui est finalement, en fait, un dead end, on peut discuter de ça, c'est amusant, mais ça ne produit pas de solution. Pour pouvoir penser, finalement, une articulation positive ou une collaboration positive avec ces nouvelles possibilités techniques qui sont les nôtres grâce au développement de l'intelligence artificielle, eh bien, il faut savoir ce que chacun fait. Savoir que les machines, par exemple, vous savez, les machines soi-disant très intelligentes qui gagnent au jeu de Go, ben, quand on leur demande de servir une bière, elles ont le bec dans l'eau. Elles n'ont pas l'intelligence du corps, par exemple. Elles savent pas servir une bière, mais elles savent calculer, elles savent gagner dans un jeu très... Vous voyez, c'est un mode d'existence, elles vont vivre dans un autre monde, et il faut les respecter dans leur monde et pas leur demander de faire des choses qu'elles sont incapables de faire, et se substituer, par exemple, aux êtres humains dans des décisions, par exemple, des décisions de tuer son prochain grâce à des armes létales autonomes, ou les décisions de juger son prochain et de l'envoyer en prison. Ce sont des choses que les machines sont tout à fait incapables de faire. Ce n'est pas leur rôle. Et je pense vraiment qu'on doit, avoir plus de... être plus accueillant. Plus accueillant, plus bienveillant, on a parlé de bienveillance. Une bienveillance pour les machines, ça commence d'abord par s'intéresser à ce qu'elles font et reconnaître qu'elles sont un autre, qu'elles sont différentes de nous. Si nous voulons avoir une interaction avec elles, il faut d'abord les respecter. Voilà, je pense que... On va prendre la programmation. Merci beaucoup. Je pense qu'on a peut-être un petit peu de temps pour avoir une ou deux questions de la salle. C'est fait. Je vais faire une remarque quand même sur la machine qui gagne Hugo, qui ne sert pas la bière. J'ai un petit objet ici que vous connaissez, qui reçoit mon courrier, qui envoie mon courrier, qui est une boussole, qui éclaire la nuit, qui prend des photos, qui fait des films meilleurs que les caméras des années 80, et ainsi de suite. Le problème là, c'est simplement de mettre ensemble deux choses. S'il y avait une demande par le marché d'une machine qui gagne Hugo et qui sert la bière, elle sera là dans quelques jours. C'est qu'il n'y a pas d'impossibilité technique à la réaliser. Elles n'ont pas de connaissance du corps, elles n'ont pas d'intelligence du corps forcément, parce qu'elles n'ont pas de corps situé. Elles ne sont pas situées, c'est ça la différence. C'est pour ça qu'elles peuvent tout voir, qu'on a l'impression qu'elles peuvent tout voir précisément, parce qu'elles n'ont pas un point de vue situé. Je ne sais pas si c'est mon deuxième cerveau électronique. Il y a un exemple qui était tout à fait intéressant, c'est un charcutier qui était certain qu'aucun robot ne pourrait jamais découper la viande comme il le fait lui-même. Et en fait, il faisait lui, je crois que c'était de l'ordre de 3% de déchets, et le robot en fait beaucoup moins que ça. Vous avez employé le mot de perversion. Est-ce qu'on ne peut pas se demander si cette inflation des big data vers l'infini, plus ou moins inconsciemment pour ces Californiens, c'est pas concours de Big Data avec Dieu. Et on leur renvoie dans la figure, comme ils sont très, très, très religieux, très croyants, vous êtes dans la perversion spirituelle.
je crois que sur les machines, bon, il faut éviter de mystifier. Moi, je ne serais même pas du tout pour, je suis assez surpris, je comprends le paradoxe et l'amusement ou la provocation, mais de parler en termes de bienveillance ou de respect de l'altérité pour les machines. Les machines, c'est les machines, ce ne sont pas des êtres vivants avec des corps. Et je crois que ce n'est même pas la peine de faire ça. Donc, je vais dans votre sens, à mon avis. Oui, tout à fait. Par bienveillance, je veux dire, respecter leur mode de, si on peut dire, dénonciation, ils n'énoncent rien, mais de véridiction, enfin, leur rationalité propre, disons, qui n'est pas leur entendement propre plutôt que leur rationalité, parce que je vois que en réservant la bienveillance à autre chose, je crois, ou à d'autres êtres. Il y a une question de. On pense, on compare, et c'est peut-être la même chose nécessairement par analogie, mais il faut savoir jusqu'où on va dans l'usage de mots pas forcément adéquats. Je ne crois pas qu'on puisse dire, mais j'aimerais avoir des précisions, dans ce cas de Paul Jorion, que la machine a découvert l'intuition. Si je crois qu'on ne peut pas le dire, ce n'est pas parce que je crois... si la machine est capable d'associer les choses, on ne croit pas que l'être humain, lui, pense autre chose qu'associer des idées, des mots. Mais je crois que l'intuition, elle vient et d'association d'idées, et de ce qu'on peut appeler, j'ai sûrement autre chose encore, mais le désir, l'inquiétude, les choses qui relèvent de ce qu'on appelle aussi. Mots, faites-en ce que vous voulez, mais l'amour, la mort, le corps, et c'est la raison pour laquelle je crois que ça peut être intéressant, très intéressant, de tenter d'analyser ce que la machine fait quand elle est capable de faire, mais je ne sais pas quoi, vous n'avez pas donné d'exemple, hein, mais je ne crois pas que c'est une bonne idée d'appeler ça de l'intuition. Maintenant, comme vous êtes fait l'avocat du diable, je pense que si vous le faites, c'est aussi un petit peu exprès pour attendre qu'un bon Dieu ou un ange surgisse. Enfin, c'est peut-être involontaire, j'imagine que vous avez des doutes. Donc moi, je vous réponds comme bon Dieu ou comme ange. Non, je ne suis pas prêt à réviser l'intuition, ni à pratiquer le génisme, ni à me soumettre à des projets génistes, ni à pratiquer ou à développer ou à contribuer à développer le transhumanisme, ou le post-humanisme, ni à m'y soumettre. Et l'une des choses essentielles dans la question de l'eugénisme, l'eugénisme ou le transhumanisme, c'est pas de savoir si c'est une bonne chose de changer la nature même, de savoir qui a le pouvoir de le faire. Et c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas, à mes yeux d'ailleurs, de... Là, peut-être que je vais hésiter sur ce que je dis, mais une question d'abord... Peut-être qu'au bout du compte, c'est moral, fondamentalement moral, mais c'est d'abord une question politique, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir qui a le pouvoir et qui ne l'a pas. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas le faire. Je vais répondre à la question de qui a le pouvoir, parce qu'on le sait, c'est connu, c'est étudié, et les chiffres sont là. Je me trouvais, c'était à Aix, c'était à la réunion des économistes, c'était au mois de juillet, et j'avais Madame Buzyn, ministre de la Santé, à côté de moi, et la discussion avait eu lieu, et on a eu l'amabilité de demander de conclure, et Madame la ministre avait dit « Moi, ministre, l'homme augmenté n'aura pas lieu ». Mais ce que la discussion avait fait apparaître, et je lui ai posé la question, vous empêcherez peut-être l'homme augmenté, mais nous avons compris tous aujourd'hui que le soldat augmenté aura lieu de toute manière. Vous avez peut-être vu ces machines, ces robots tout à fait étonnants, qui sont sous la forme d'un guépard ou d'un chien ou même d'un être humain qui s'appelle Atlas. Et j'ai découvert, à ma grande consternation, que cette firme Boston Dynamics n'avait eu jusqu'ici qu'un seul client, qui est la DARPA, c'est le service de recherche de l'armée. Et quand vous regardez
regarder l'argent qui est mis dans tout ce dont parlent les transhumanistes, à part des choses comme la prosthétique et les choses de cet ordre-là, ce sont essentiellement les ministères de la Défense, le Pentagone, mais l'armée rouge en Chine, etc., qui décident de ces genres de choses. L'intelligence artificielle est sous la direction de l'armée rouge en Chine, et c'est à peu près la même chose aux États-Unis, donc il ne faut pas être surpris. Alors qui ? Oui, ben on le sait, on le sait. On sait aussi que ce sont des processus qui sont en dehors du processus démocratique habituel, puisque ce ne sont pas nos représentants qui en discutent. C'est la défense de l'État, c'est la défense nationale qui fait qu'on fera telle ou telle chose. On m'a rapporté une discussion qui a eu lieu récemment, justement, au ministère de la Défense ici, et où on s'abstient en ce moment encore de processus irréversible. On ne transforme pas les gens de manière à pas pouvoir faire marche arrière. Mais à quel moment décidera-t-on qu'on peut le faire autrement ? Et une question, c'est l'Académie des sciences en Belgique qui m'a posé la question l'autre jour de qu'est-ce que c'est que le transhumanisme ? Et le titre qui m'était venu, c'est est-ce que c'est un mouvement auquel on est libre de se joindre, oui ou non, ou est-ce que c'est un mouvement qui nous emporte ? Et j'ai l'impression que même les militants transhumanistes se trompent à ce sujet. Ils ont l'impression qu'ils sont là à faire quelque chose dans un certain sens. Et dans les discussions que je les entends avoir entre eux, ils sont souvent en retard, même sur ce qui a déjà lieu. Sur la question d'attribuer à des machines des sentiments comme les nôtres ou des notions que nous appliquons à des machines, nous le faisons déjà, je dirais, simplement par anthropomorphisme sur des animaux qui probablement auxquels les catégories ne s'appliquent pas. Mais dans une discussion à laquelle j'ai participé récemment, à propos du véhicule autonome, on va être obligé de lui donner une sorte de personnalité, de la même manière que nous avons attribué une personnalité à des sociétés, que nous appelons une personnalité juridique, et où on arrive à des paradoxes tout à fait inquiétants comme on le voit aujourd'hui, où les droits d'une personne juridique comme une entreprise dépassent ceux que les êtres humains peuvent avoir. Ils sont des personnes réelles, des personnes physiques. Dans le domaine de la bouzous, et vous pourrez sans doute confirmer ça, dans le domaine de la possibilité pour un propriétaire d'abuser au sens de détruire éventuellement des choses dont il est le propriétaire, les firmes, les sociétés, pour personnes juridiques, ont des droits que nous n'avons plus en tant qu'individu. Donc, ce n'est pas à nous de dire est-ce que c'est justifié, oui ou non, d'utiliser des notions de responsabilité pour un véhicule autonome. Si on ne veut pas parler de responsabilité, il faudra parler quand même d'imputabilité, de savoir si c'est la machine qui a pris une mauvaise décision. Et dans la discussion à laquelle je participais, j'apprenais des choses. Par exemple, on se préoccupe maintenant que les propriétaires de Mercedes ont moins de disposition à attribuer à leur véhicule des décisions purement rationnelles en termes de probabilité et demandent plutôt qu'on les sauve en cas d'hésitation plutôt que le piéton qui serait renversé par la voiture. Alors, c'est pas la machine qui va le faire, mais c'est nous derrière la machine qui allons décider si la machine est responsable ou non, comme on faisait des procès au Moyen-Âge à des animaux qui avaient produit des accidents, des choses de cet ordre-là. Si vous regardez les films autour de vous, si vous regardez cette série qui s'appelle Real Humans, et où des robots qui sont difficiles à distinguer de nous font un procès à l'État pour avoir le droit d'être traités comme des êtres humains, etc., toutes ces questions se posent déjà, même si nous ne les posons pas, il y a déjà des gens quelque part qui les posent et qui essayent de les résoudre, parce que ces véhicules autonomes, on va les voir sur les routes un jour ou l'autre, à moins qu'ils soient interdits, mais je ne vois pas quel est le comité qui les interdirait. S'ils apparaissent en Chine ou en Californie, un jour ou l'autre, ils apparaîtront ici aussi. Oui, pour continuer un peu sur le même sujet, je pense qu'on est victime aussi de deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, on veut toujours plus de services pour payer moins ces services, donc ce qui pousse effectivement à la création de ces machines. Et en même temps, on veut simplifier les choses et on va à des absurdités. Par exemple, je vais citer deux exemples. Moi, j'ai reçu une relance de l'URSSAF 4 ans après avoir arrêté mon activité pour 4 euros. Ils me réclamaient 4 euros.
Et la semaine dernière, j'ai reçu, pas directement, mais une relance de Orange qui faisait le bilan des 5 dernières années sur le compteur d'une personne qui est décédée depuis 3 ans et qui réclamait 5 euros. Voilà, et l'exemple même de la facilité, c'est-à-dire que la machine décide d'envoyer automatiquement des relances sans qu'il y ait personne. Et c'est facile à faire, je veux dire qu'aujourd'hui, avec le niveau de technologie, au niveau des algorithmes, on peut très bien faire un tri, c'est-à-dire à la sortie de la machine, il y a toutes ces enveloppes un peu bizarres qui pourraient aller dans une corbeille, et puis cette corbeille donner un être humain qui va, lui, décider qu'effectivement c'est absurde, on ne va pas envoyer ces courriers. On s'y revient. Une dernière question rapide et après on va arrêter. Est-ce qu'il y a encore une question? Une question? Je voudrais répondre sur la voiture autonome parce que je pense que c'est important. Est-ce qu'on part du principe que nous vivons la voiture autonome dans le même monde qu'on est aujourd'hui? La voiture autonome, elle sera connectée. Elles se parleront entre eux. Et donc, à partir de là, la question de l'accident n'existera peut-être pas. Et s'il y a un accident, ce sera, je pense, la responsabilité de ceux qui ont conçu. C'est une loi. Et deuxièmement, ce sera, je pense, la seule fois qu'on pourra avoir au volant sur ce bug. Parce que... C'est le bug. Et puis, c'était une phrase d'Alfred Jarry sur l'homme a créé Dieu à son image. Et je pense que la machine est créée à l'image de l'homme. Et donc, je pense que c'est de là qu'il faut partir. Là, ce que vous soulevez, c'est une déresponsabilisation totale de l'homme qui va confier aux machines le soin de résoudre tout l'ensemble des problèmes en communiquant entre elles. Vous savez, c'est un thème classique, bien entendu, de la science-fiction. Il y a ce fameux film de 1970, Colossus, où les hommes lancent une guerre nucléaire, les Russes contre les Américains, et c'est l'ordinateur tout à fait fou qui se met en fait, qui s'arrange avec l'autre ordinateur pour imposer la paix aux êtres humains, mais d'une manière extrêmement dictatoriale, en disant vous êtes incapable de le faire. Il y a dans la science-fiction évidemment pas mal de discussions sur les possibilités de scénarios, mais ce sont souvent des scénarios où nous avons abandonné en fait notre possibilité de prendre les décisions. Déjà au niveau économique, nous confions des décisions à des ordinateurs, des calculs faits des ordinateurs sans comprendre plus ce qui se passe exactement dans la détermination. Et par exemple, prenons juste un exemple, c'est celui des diagnostics faits par la machine. Des diagnostics médicaux dont on voit que dans un cas récent d'oncologie, la machine fait beaucoup moins d'erreurs dans les diagnostics que les médecins, parce qu'ils n'arrivent pas à faire toutes les corrélations que la machine fait. À partir du moment où la machine fera moins d'1% d'erreurs, comme c'est déjà le cas, et le médecin fera en moyenne 10% d'erreurs, ce qui coûte très cher à la communauté en termes de souffrance et de termes économiques, nous allons cesser de nous poser la question du pourquoi la machine fait moins d'erreurs. Nous allons simplement lui laisser les décisions. Parce que on dit bon que j'entends que finalement c'est l'ARPA qui va décider de l'utilisation d'armes létales autonomes et de la robotisation de des conflits armés. En fait, dans un certain sens, oui, mais il y a quand même le droit international de la guerre aussi. Il y a les conventions de Genève, par exemple, et l'utilisation de ce genre d'instruments est tout à fait évidemment orthogonale, incompatible avec le respect des conventions de Genève. Bon, là, on sait que les États-Unis peuvent sortir volontairement, ils se sont sauvegardés cette possibilité de sortir des conventions internationales qu'ils ont signées. Mais néanmoins, c'est quand même une pression assez forte, donc il ne faut pas croire non plus que le droit est inexistant. Pareil, relativement à la responsabilité, l'imputabilité des fautes éventuelles à des machines autonomes comme les véhicules autonomes dont on parle beaucoup aujourd'hui. Effectivement, en droit, on a des systèmes, par exemple, les systèmes de responsabilité sans faute dans le cas des produits dangereux, ce genre de choses-là. Donc il y a des mécanismes qui existent qui peuvent éventuellement être mis en œuvre. Mais il ne s'agira jamais
Mais alors là, jamais, hein, à moins que je me trompe, mais radicalement, mais j'en ai presque ma tête à couper avec le prénom que je pense, je risque gros quand même, vous voyez comme ça m'engage. Eh bien, je pense que jamais on va reconnaître une personnalité juridique à un robot, c'est-à-dire une personnalité pénale, par exemple. Parce que, en fait, il faudrait d'abord, pour qu'il y ait une imputabilité, il faut qu'il y ait une faute. Or, une faute présuppose quand même des capacités morales que, jusqu'à présent, et il n'y a pas de raison de penser que les robots aient jamais des capacités morales. Donc, je pense vraiment que, quant au risque d'accident, je pense qu'il existe quand même, même si l'ensemble du parc automobile devenait autonome. Eh ben, on n'est jamais à l'abri d'une poule qui traverse, ou d'une grand-mère, ou d'enfants qui traversent la rue, alors un ballon qui surgit, etc. Des choses. En fait, ce qui va être dangereux, ce seront les comportements non automatisables des êtres humains. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, le droit n'a pas perdu la main. Voilà. Ah non, mais moi j'ai déjà dit ce que je pensais. Je pense que la permaculture a beaucoup plus d'avenir que l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, c'est un bon mot.